Et salut à tous, c'est Kenny Gouldo, on se retrouve sur Silent Hunter 5 pour un dixième gameplay et la suite de notre objectif dans les eaux anglaises. Il nous reste deux AMC, donc deux navires marchands armés à détruire. Donc on y arrive bientôt. Voilà, je vais juste redéplacer celui-ci. Voilà, ce sera plus direct. Voilà, comme ceci. Et donc on va essayer de dénicher ces fameux AMC ici dans les eaux et non plus dans les ports, puisqu'on a tout simplement on a vu que ça allait pas quand ils étaient en mouillage, ils comptaient pas pour notre objectif. Donc il faut obligatoirement, je pense, qu'ils soient en mouvement pour pouvoir les compter dans l'objectif. Donc je vais me mettre à partir de maintenant. Ouais, peut-être pas encore en immersion périscopique, mais en tout cas pas trop vite. On va se mettre en avant toute. Voilà, question de rattraper. Donc on va traquer tous les signaux bleus, donc ceux des navires de guerre et donc des potentiels AMC. Bon, ça on les connaît, ce sont les destroyers qui sont au port de Lochew. Moi je pense qu'on pourrait plus dénicher de l'AMC ici. Ici, dans ces eaux ici. Donc je pense que je vais faire une petite patrouille. Voilà, vraiment comme ça. C'est vraiment pour vous montrer ce que je vais faire, quoi. Mais à mon avis, oui, faut faire attention en plus. J'ai vu un signalement là presque sur une île. Non mais c'est un petit peu au bof. Ouais, faut avoir un peu de chance. Faut avoir de la chance et espérer qu'il y en ait déjà. Parce que sincèrement, ils sont hyper chauds à dénicher, ces saloperies d'AMC. Et pourtant il nous en reste que deux. Je suis tenté, hein, moi, d'aller à Lochew pour en défoncer, mais si c'est pour être sûr qu'il ne compte pas dans l'objectif, ça va être un peu chiant. Donc ce qu'on fait, les amis, c'est qu'on se dit à tout de suite dès que j'ai un bon signalement. A tout de suite. Alors, les amis, ici, j'ai des signalements de navires de guerre, juste au sud de ma position. On va voir ce que c'est. Apparemment, il n'y en a que deux pour l'instant. Et on est toujours voilà dans les eaux. Il n'y a pas de souci. Donc... on va voir ce que c'est, espérons que c'est de l'AMC, s'il vous plaît. Parce que j'ai passé 20 minutes dans ces eaux-ci à ne rien trouver comme navire de guerre. Donc voilà, je suis un petit peu à cran. On va quand même voir ce que c'est. Apparemment, voilà, deux navires. Il s'agit de groupes de combat. Merde, mais il y a un point de navigation sans faire exprès. Voilà. Donc il s'agit de navires de guerre inconnus. Et de navires de guerre ou de combat. Ok, on va voir ce que c'est. Ils sont actuellement à 13 km. On va se mettre en plongée périscopique. Et se diriger, bim, dans leur tronche. On va essayer de faire une bonne trajectoire. Le principal étant... oui, il y a un groupe de combat, effectivement. Le principal, c'est vraiment, vraiment de bien être aligné. Voilà, regardez la petite icône rouge, voilà comme ça. Normalement devrait intersectionner, j'ai envie de dire, les navires. On va voir ce que c'est, on va s'arrêter un moment et... voilà, on va s'arrêter maintenant. Et donc, alors, ils sont à 2 km, une vitesse de 14 nœuds. Il y en a un, c'est un groupe de combat à l'avant et un navire de guerre isolé à l'arrière. On va voir ce que c'est. Oups. Je pense que c'est de l'AMC, le navire de guerre isolé à l'arrière. Oh putain, mais les amis, on a de l'AMC en puissance. Un ici et un là. Mais pas de groupe de combat par contre. Ok, deux AMC les amis. Je pense oui. C'est bel et bien deux AMC. Ok, ouais. Oh putain, je vous dis pas comme je suis heureux. Même si j'ai une voix de mec en dépression. Mais je suis vraiment très content de les avoir trouvés. Donc hop, une pour toi mon joli. Je vais déjà voir si je l'ai bien évalué. J'espère l'avoir bien évaluée. Je pense que oui, elle va droit dans sa mouille. J'ai bien aligné. Le 3 avec le 3. Ouais, ouais, elle va droit dans sa tronche à celui-là. Attention. Nouvel an. Voilà. Bonne année. Bon, on va en remettre une. Pareil. Une excellente vitesse ici. Numéro 3, un petit peu avant. Pleine vitesse, c'est parti. Normalement, une deuxième torpille, ça devrait le calmer. On va aller voir ça. Hop, je vais cacher ce machin là. Je le mets assez grand pour pouvoir bien calculer. Alors,
Ouais, cool, on est quand même 2 AMC, ça fait plaisir là. Sincèrement, ça fait bien plaisir. Apparemment, elle va aussi dans sa tronche. Mais il a perdu de la vitesse à l'impact de la première torpille, j'ai l'impression. Ouais, ça va droit dans sa mouille. Attention! Bonne année! Hé hé! Bon, un clampin en moins. Donc, occupons-nous du second. Il n'est pas encore coulé par contre, maintenant que je regarde. Il est où? Il est là. Est-ce que... Bon, on verra. Si on doit lui mettre une autre torpille ou pas. Alors, vous monsieur, enchanté de faire votre connaissance. Ici, c'est l'Allemagne. Je vais lui mettre deux torpilles directement au deuxième. Et le premier, là, il va couler ou il coulera, coulera pas. Je vais quand même lui en mettre une troisième. C'est parti, trois torpilles, les amis. Trois. 3-3-3, donc ici les deux pour le monsieur là-bas. Je les ai quand même mis assez rapidement. Est-ce que ça va intersectionner? Je pense pas. Enfin, quoique. Ouais, j'ai un doute, j'ai un doute, j'ai un doute, j'ai un doute. En tout cas, celui-là, il crame bien. Il crame bien, mais il coule toujours pas non plus. Les torpilles sont là, elles arrivent. Non, je crois qu'on va dépasser. Oh putain, j'aurais mis une vitesse juste légèrement inférieure. Par contre, celle-ci ici, on va toucher. Celle-ci, on touche. Torpedo impact. Et je crois que celui-là, il est stoppé net. Alors, du coup, on nous reste encore notre gaillard là à couler. Ouais. C'est parti. Par contre, celui-là, il résiste, c'est un truc de fou, hein. Ça fait trois plombes que j'essaye de le couler. Bon, il est juste là, du coup, hop. Ça sert à rien de viser plus loin. On met toutes les deux torpilles ici, droit dans sa face. Et ça ira. Et voilà. Alors, voyons voir. Oui, regardez, cette fois-ci, elles vont bien droit dans sa mouille. Magnifique. Ah, l'autre coule. Le cul en arrière. Et voilà, impact, impact, double impact. Ouh, ça explose, ça pète de tous les côtés, les amis. Ça m'étonnerait pas qu'on l'ait eu parce que là, celui-là, on l'a bien touché. Ouais, on a eu les deux. On a eu les deux. Nickel, 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 nickel. Alors, journal de bord. Journal de bord. 4 février 22h12. Nickel, ouais. Bref, on les a coulés. Ah bah oui, je suis bête, je suis dans les signalements au-dessus. Voilà. Alors, croiseur marchand armé, Rawalpindi et croiseur marchand armé, Patroclus. Nickel. Et donc, dites-moi, la magie s'est opérée? Oui. Alléluia. C'est bon, on a les 5 navires AMC sur 5. Il nous reste maintenant à couler le porte-avions. J'ai déjà pris quelques informations. Donc la zone où on doit couler ce fameux porte-avions est censée être ici, Carrier Patrol Area. Donc la zone de patrouille du porte-avions, elle est ici. Mais la majorité des joueurs l'ont abattu ici, dans les eaux. Il semblerait qu'en fait, il soit au mouillage dans plusieurs de ses ports. Donc on sera censé voir son nom parfois, peut-être, on ne sait jamais, hein, comme le Warspeed ou etc. etc. Voilà ici, comme le HMS Rodney, par exemple. Eh bien, on devrait voir normalement le HMS je ne sais pas quoi, qui sera un porte-avions. Et c'est celui qu'on est censé abattre. Évidemment, faut pas le couler quand il est au mouillage, mais bien attendre qu'il soit en mouvement et avoir du pot pour le trouver. Donc voilà. En clair, moi ce que je vous propose, les amis, et ce sera dans le prochain épisode, c'est de tout simplement commencer pendant ce temps, avant de localiser ce fameux porte-avions, c'est de commencer le ravitaillement anglais ici, qui est tout simplement de couler 100 000 tonnes de matériel dans les Southwestern Approaches, qui est tout simplement la zone ici en gris et en rayé. Donc la Southwestern Approach, c'est vraiment quand même assez un objectif assez colossal. Ici, c'est 100 000 tonnes. Souvenez-vous, on avait dû couler 50 000 tonnes ici aux eaux côtières anglaises et ça avait déjà pris un peu de temps. Mais bon, maintenant qu'on a le skill, non, je déconne. Enfin, si, ça va mieux quand même niveau bataille aussi. Et donc voilà. Mais attention, dans cette zone, il y a beaucoup, beaucoup plus de patrouilles
de navires de guerre ennemis que dans ici la zone de la mer du Nord. Hein. Là, on n'est plus du tout dans la même, dans le même bord, donc ça va être beaucoup plus compliqué. En tout cas, voilà. Donc objectif prochain, les amis, couler 100 000 tonnes dans la zone ici indiquée et dénicher ce fameux porte-avions pour compléter le blocus de l'Allemagne. Donc voilà, les amis, c'est tout pour ce gameplay. On a enfin coulé les AMC qui nous restaient. D'ici le prochain épisode, je vous dis. À bientôt, merci d'avoir regardé cet épisode-ci. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine. Ciao!